qu'elle va dans là, se retrouver les filles, hein? C'est sûr qu'on a passé un peu de temps ensemble. Quelques jours. Ouais. Et hein? On a appris à se connaître, on a appris à s'aimer, on a appris plusieurs choses aussi là-bas. Écoutez, on est à l'aéroport de Vancouver, donc c'est notre dernier vol pour être à Montréal. On atterrit ce lundi 18 septembre à 7h07. Et ben, on a hâte, bien sûr, hein, on a hâte de voir des gens qu'on aime et tout ça. Et en même temps, ça a été un pur bonheur de vivre ce programme de PNL, ce séminaire. Avec Colette, Humphrey, Robert Dills, qui était là avec sa femme Déborah, Olivier Curcia et Peter, des êtres extraordinaires, dont 25 personnes, d'être accompagnées par 6 personnes. Quel support, et avec des activités en soirée. Donc, ça a été vraiment apprentissage spirituel, en plus d'apprentissage de la quatrième génération et de la faire en collaboration. Donc, et pour moi, de retrouver Robert, tout comme toi, Chantal, après 6 années, hein, plus de 10 ans. Plus de 10 ans, effectivement. Puis c'était vraiment incroyable parce que c'était déjà un mentor. Déjà au départ, dès le départ, il était vraiment quelque chose. On est parti. Comme tout le monde, aux quatre coins de la planète, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. Et en même temps, d'avoir un rendez-vous comme ça, d'être capable de le rencontrer et de se rendre compte qu'au bout de toutes ces années, on a évolué. Tout le monde, tout ensemble. Et puis, ça a été vraiment incroyable parce qu'on s'est dit, il y a vraiment quelque chose de plus grand que nous qui nous unit. On travaille dans le même esprit après toutes ces années. On est en train de faire le pont pour la quatrième génération de PNL. Et de savoir qu'on était vraiment déjà à Montréal, dans cet esprit-là, ça a été vraiment magique. Ah oui, grande révélation, ça a été très inspirant. Ce qui m'a fascinée, c'était aussi, justement, tu l'as nommé, on se retrouvait des gens à travers le monde et avec un grand désir, un grand souhait commun de communiquer chacun avec sa façon, chacun avec son langage et en même temps de s'adapter aussi et de le faire pour nous ensemble parce que c'est un peu ça avec nous. C'est pas tout ça dans mon coin, c'est un travail qui est une belle activité. Et ça, j'ai été absolument fascinée de voir toute cette belle ouverture-là à l'autre, aussi dans un grand désir de communication et d'être ensemble. C'est vrai. Puis en fait, on est parti vraiment avec cette essence-là. La preuve, c'est qu'on est parti avec nos chandails Together We Are One. Qui était tout à fait ça. En fait, là-bas, c'est comme ça que ça fonctionnait, on était tous dans un point commun. Puis en ce moment, ben c'est le fun, on est revenu avec le même chandail, donc l'esprit reste, c'est toujours là. Et je vous dirais que c'est encore plus fort parce qu'on s'entend. On aurait pu venir avec des chandails marqués « I don't want to see you anymore ». Mais c'était pas le cas, au contraire. Je pense qu'on est proche plus que jamais. Tout est fait dans le bonheur, dans le plaisir, le sourire, la créativité, de l'amour à profusion. Et mon Dieu, que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de revenir encore plus inspiré que jamais. Ouais. Et puis le respect de chacun qui était toujours présent. Puis c'est ce qu'on fait à l'école aussi. Vous savez, quand on fait le tour, hein, puis qu'on demande à chacun de dire son intention le matin, puis comment tu te sens, c'est ce qu'on faisait chacun. C'était extraordinaire parce qu'on entendait des gens parler en anglais, parler en français, en brésilien. Il y avait une fille de la Finlande, il y avait aussi la Corée qui était là. C'était le Japon, l'Égypte. Donc, multiculturel. Portugal, multiculturel et aussi les genres, le respect des genres hein, qui nous a vraiment marqué parce que Robert était avec son épouse, il y avait Colette qui était là avec Humphrey, donc les femmes communes à Bali, entre autres, la femme est respectée et l'homme respecte la femme respecte l'homme, donc pour ça, ça a été pour moi aussi très significatif. Dans l'approche PNL, c'est ça aussi. Merci.
Moi, j'ai le goût de vous remercier, les filles. Oh, merci. Vraiment, vraiment, qu'on aille vécu ça ensemble. Parce que d'avoir été entourée avec vous quatre, d'avoir eu ce support-là, parce que je peux vous dire que c'est vraiment de la PNL qu'on a fait pendant les 11 jours, parce que je suis, et je crois que nous sommes sortis de notre zone de confort, nous sommes allés toucher nos limites pour amener l'expansion en soi aussi, pour cette connexion à plus grand que soi, mais aussi cette expansion ensemble, qui ça a été merveilleux, donc merci, je me suis sentie tellement accompagnée par vous. Alors, comme on le fait à Bali. Ah oui, comme on le fait à Bali. Oui! Merci. Merci.